Pour ajouter une image à un message, je dois me rendre dans les paramètres d'Outlook. Pour ce faire, je clique sur l'icône Paramètres et ensuite tout au bas sur Afficher tous les paramètres d'Outlook. Dans la zone centrale de cette fenêtre, je clique maintenant sur Composer et répondre. C'est ici que je vais pouvoir créer ma signature. Je vais rédiger cette signature en choisissant la police et le style de mon choix. Notez qu'il est possible d'ajouter une ou des images à une signature, mais que l'on ne peut pas redimensionner les images ajoutées. Je rédige donc ma signature comme ceci. Je vais y ajouter une image. Mon truc, je fais une recherche dans Google Images, par exemple avec le mot-clé « animal ». Je clique sur « Outils droit d'usage »,« Réutilisation autorisée ». Maintenant sur « Taille » égale à 100. OK. Je peux maintenant cliquer avec le bouton droit de la souris et copier l'image de mon choix. De retour dans mon espace signature, je fais « Coller » et le tour est joué. Lorsque j'ai terminé ma signature, je clique sur une ou les deux cases juste en dessous de la fenêtre d'édition. Cela va faire en sorte que ma signature sera ajoutée de façon automatique au nouveau courriel rédigé et à mes redirections et réponses. N'oubliez pas d'enregistrer en terminant. Lors de la prochaine rédaction d'un courriel, je verrai apparaître ma nouvelle signature. Pour générer une réponse automatique lorsque je m'absente de mon travail pour une longue période, je retourne dans les paramètres d'Outlook, mais cette fois, je clique sur « Réponse automatique ». Pour débuter, je dois activer la fonctionnalité. Je peux ensuite déterminer la période où sera activée les réponses automatiques. Si je n'utilise pas le paramétrage des dates, je dois penser à désactiver le système à mon retour de congé. Le système nous permet d'envoyer des réponses automatiques aux personnes de notre organisation et aux personnes hors de notre organisation. J'écris donc un message de réponse automatique qui sera envoyé aux personnes qui m'écrivent durant mon absence. Un truc simple, copiez-collez le message que vous avez rédigé dans la première fenêtre vers la deuxième. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur « Enregistrer ». À votre retour dans Outlook, un aide-mémoire apparaîtra afin de vous faire penser de désactiver votre réponse automatique. Lorsque vous cliquez sur l'icône des paramètres d'Outlook, vous avez accès directement aux paramètres de base du logiciel. Vous pouvez alors choisir un nouveau thème pour Outlook, passer au mode d'affichage sombre. Vous pouvez également faire afficher ou non vos messages par conversation, de sorte que les messages et leurs réponses seront regroupés. Lorsque vous sélectionnez le regroupement des messages par conversation, vous pouvez demander que les messages les plus récents apparaissent en premier ou en dernier. Vous avez aussi la possibilité de ne pas fonctionner par conversation en cochant l'option « Désactiver ». Il est possible de placer le volet de lecture des messages à droite, au bas ou de carrément le masquer. Vous avez sûrement remarqué qu'Outlook sépare de façon automatique vos messages qu'il juge prioritaires des autres messages qu'il place dans la boîte « Autres ». Vous pouvez ici désactiver cette fonction. Tous les messages apparaîtront alors dans la même boîte de réception. Nous allons voir l'effet que produisent les quatre autres options. Image de l'expéditeur, regrouper les messages par date, aperçu des pièces jointes, texte d'aperçu des messages.